Tandis que j'étais au gouvernail, pendant de longues heures en silence, je tenais la route de ce vaisseau de feu sur la mer. Enveloppé moi-même pendant ce temps dans l'obscurité, je n'en voyais que mieux la rougeur, la folie, l'atrocité des autres. La vue continuelle des formes diaboliques devant moi, cabriolant à moitié dans la fumée et à moitié dans le feu, finit par faire naître des visions apparentées dans mon âme, dès lors que je commençais à céder à cette incompréhensible léthargie qui me tombait toujours dessus au gouvernail à minuit. Mais cette nuit-là en particulier, une chose étrange est restée inexplicable depuis, m'arriva. Sursautant, alors que je m'étais brièvement endormi debout, je fus horriblement conscient de quelque fatalité. Je croyais que mes yeux étaient ouverts. J'étais à moitié conscient de porter mes doigts à mes paupières et de les écarter encore plus mécaniquement. Mais malgré cela, je ne pouvais voir aucun compas devant moi pour me guider. Il me semblait pourtant avoir regardé la carte il y avait à peine une minute, à la lumière stable de l'habitacle. Rien n'apparaissait devant moi qu'une noirceur de jet, que des lueurs rouges rendaient terrifiantes par instants. Mon impression dominante était que, quelle que soit sa vitesse ou sa précipitation, la chose sur laquelle je me tenais ne se dirigeait pas vers un havre, mais reculait plutôt, précipitamment, devant tous les havres possibles. Un sentiment aigu de perte, presque de mort, m'envahit. Convulsivement, mes mains saisirent la barre.
mais avec la folle idée que la barre avait été, par quelque enchantement, inversée. Dans mon bref sommeil, je m'étais retourné. Je faisais face à l'arrière du vaisseau, tournant le dos à sa proue et au compas.